Là, nous avons les deux conduites en fonte qui sont réservées à l'adduction d'eau potable. Et puis là, nous posons du PVC diamètre 315 pour l'assainissement. Je m'appelle Arthur Jarrier, j'ai 20 ans. Mon métier est canalisateur dans les travaux publics. Le chantier de ce matin, c'est un chantier de renouvellement de conduites d'adduction d'eau potable. Les conduites sont anciennes, elles présentent des fuites et de la corrosion, donc c'est pour ça qu'on les remplace. Alors on part du village de La Font de l'Arbre, sur la commune d'Orcine, et on descend sur une première tranche qui fait 1,3 km. Donc là on suit une pente régulière qui est à 8%, donc 8 cm par mètre. Donc le principe, c'est que dès qu'on a coupé le tuyau, c'est de chanfreiner le tuyau afin de faciliter l'emboîtement des tuyaux pour pas blesser le joint lors de l'emboîtement. Donc en fait, on nettoie la gorge où on va placer le joint du tuyau afin qu'il n'y ait pas de petits cailloux, de petites poussières qui pourraient endommager le joint en fait et créer une fuite. Donc ça, c'est le joint qu'on va placer à l'intérieur de la gorge. Donc on vérifie qu'il ne présente pas de défaut, qu'il est en parfait état, donc on peut le mettre dans la gorge. Donc là on va graisser le joint pour faciliter l'emboîtement. Donc les avantages du métier sont bien sûr le travail en équipe. On est des équipes soudées, donc après on peut se faire confiance, ça peut même devenir des amis. Les autres avantages sont l'autonomie. L'autonomie, c'est travailler tout seul, avoir un résultat à accomplir. Donc quand on a posé 1,5 km de canalisation fonte, on peut être fier de nous à la fin quand on ne représente pas de fuite. C'est des métiers physiques, mais ça s'améliore de jour en jour maintenant avec les machines. Ce n'est plus comme le TP de l'ancien temps. On choisit aussi ce métier un peu pour vouloir valoriser ses ressources comme l'eau potable, l'assainissement, traiter les... L'assainissement, c'est du traitement de déchets au final, donc bien sûr que l'environnement, c'est important.